Et ce matin, on va vous parler du Créole International Film Festival avec sa présidente qui est ici avec nous dans nos studios. On l'accueille tout de suite. Bonjour. Comment ça va? C'est un plaisir d'être ici. Ah bah pour moi aussi. Et à la veille du festival en plus, oui. On pouvait espérer mieux. Alors, pour les auditeurs qui vont un petit peu en savoir plus sur cette première édition, hein, si je ne me trompe pas. C'est la première édition, oui. Édition d'un festival inédit, historique, on peut le dire carrément. Ah oui. Vraiment. Donc la première édition débute... Demain? Oui. Ça y est, je suis perdue dans le temps, confondant jeudi, mercredi, etc. Oui, c'est demain à 20h. La séance d'ouverture au cinéma Lincoln, près des Champs-Élysées. Parfait. 14 rue Lincoln. Alors, est-ce que vous voulez bien nous faire une petite présentation pour nos auditeurs? Du contenu ou du festival? De vous. Ah, de moi. Mais je ne suis personne. moi, je suis celle qui a eu, on va le dire comme ça, une révélation. Oui. À un moment précis de ma vie. De l'importance cinématographique du créole, oui. De la langue créole. Absolument. Des langues créoles, parce qu'il y en a plusieurs. Alors vous êtes du coup présidente de l'association, présidente du festival. Alors, festival du film créole, c'est vrai que c'est la première édition. Est-ce que vous pensez que c'est un festival qui est attendu par la communauté, mais aussi par les autres? Alors, il est surtout attendu par les réalisateurs et les producteurs. Je reçois des courriers en provenance du Canada, en provenance des quatre coins du monde, me disant mais c'est formidable, ça fait 10 ans, ça fait une génération qu'on attend un lieu symptomatique de ce que nous faisons, un lieu où on peut voir nos films, car ces films ne sont vus nulle part, même quand ils sont sélectionnés dans des festivals quelquefois. Mais oui, c'est ça. Alors, pourtant, on a une très grande richesse dans notre communauté sur les films, et pourtant très peu connus, peut-être des autres communautés. Est-ce que c'est dans ce sens-là aussi que ce festival est créé? Le festival est créé dans plusieurs sens. mais il est vrai qu'il y a quelque chose de particulier. Vous avez dit qu'on a une richesse extraordinaire du point de vue immatériel, patrimoine immatériel, c'est vrai. Mais ce patrimoine est en train de disparaître parce que si on parle par exemple des langues créoles, et c'est un des objectifs du festival, de mettre en lumière les langues créoles, si on parle des langues créoles, les langues sont en train de disparaître pour plusieurs raisons. D'une part, c'est une langue qui se trouve en situation de diglossie, c'est-à-dire qu'elle est utilisée à la maison, et souvent une langue du secret également, qui permet de parler ce que les autres comprennent. Mais en réalité, elle est en train de disparaître, cette langue, pour plusieurs raisons. On a travaillé de façon à ce que ces langues disparaissent. D'une part, elles étaient interdites à l'école, elles étaient interdites de les conversations structurées, on va dire. D'une manière générale, toutes les générations ont fait en sorte, ce n'est pas de leur faute, que ce créole, que les langues créoles disparaissent, et parce que elles ont choisi de ne pas transmettre ces langues, parce que trop soucieuses de la réussite sociale de leurs enfants. Et d'un autre côté, vous avez des enfants, par exemple, pour le festival, parmi les bénévoles, il y a des personnes qui se sont qui se sont portées bénévoles parce que le festival leur permet de se reconnecter à leurs racines. C'est voilà. Donc on travaille sur la sauvegarde d'un patrimoine qui est en train de disparaître en mettant en avant les langues créoles. Langue qui naît si on regarde dans la région Caraïbe, ces langues ne sont étudiées et permises à l'école que depuis 20 ans. Oui. Et il a fallu un travail depuis les années 70 aux créolistes et linguistes pour faire en sorte que cette langue sorte de sous le boisseau et soit mise en lumière. Donc le festival est vraiment cet élément-là pour parler des langues. Alors effectivement, de mon temps et de celui d'avant, on ne pouvait pas parler de créole à l'école. C'était assez frustrant d'ailleurs. Et puis on en voit aussi l'impact sur ma génération, hein, par exemple, puisque nombreux sont les enfants qui ne parlent malheureusement pas
le créole. On va en parler justement de cette problématique juste après la pause, les amis. Restez avec nous.